Action. Bonjour, aujourd'hui on va vous expliquer comment prendre les mesures pour votre kilt. Donc du coup on rappelle, deux sortes de kilt. On va voir si t'as retenu ta leçon. Le prêt-à-porter. Oui, ça c'est pas mal. Le prêt-à-porter c'est facile, c'est une mesure à retenir, c'est juste votre tour de nombril. Ça on va le faire dans une deuxième partie, vous verrez. On va faire un zoom sur Benoît. Et puis, le sur-mesure. Le sur-mesure, trois mesures. Du coup, là c'est le tour de nombril, toujours au même endroit. Le tour de fesses, et puis après la longueur jusqu'au genou pour les messieurs, du coup. On commence ? On commence. Allez, sur toi. Je sais pas ce que je dois faire. Donc, on va te mettre... On va encore me filmer, quoi. Je peux dire tout haut le tour de la longueur ? Non. On prend ici. Il y a tout juste deux chiffres. C'est presque au 3. À 3, je crois qu'ils sont déjà bien passés. Donc vraiment, au niveau du nombril... Je savais qu'elle allait faire un truc pareil. Et donc, pour la petite réflexion de mon shoot encore grossi, rassurez-vous, en tout cas, sur le prêt-à-porter, il y a un jeu de taille. Donc du coup, un petit peu grossir, un petit peu maigrir. On essaie de viser vraiment le centre. On essaie de viser au milieu, comme ça on a un petit peu de marge et on peut le garder plus longtemps. Ça c'est une chose pour le prêt-à-porter. Et sinon après, on doit le porter comment alors? Je fais quoi? Pourquoi t'as mesuré mon nombril? Parce que généralement, pour le sur-mesure, on va partir du nombril au genou. Donc ça, c'est vraiment quand on doit aller plus loin dans des détails pour le créer sur-mesure. Après, sur du prêt-à-porter, ça va être un prorata, niveau tour de nombril, longueur. Alors si tu es dans la moyenne, c'est ce qu'on va voir tout de suite, ça va fonctionner. Suis-je si tu es un peu plus grand que la moyenne, il va devoir être porté un tout petit peu plus bas pour ne pas faire mini-jupe. Et pareil, si tu es un peu plus petit que la moyenne, on va le porter un tout petit peu plus haut. En termes de largeur, on l'a dit, on a presque 25 cm de jeu d'une taille à l'autre de kilt. On va essayer de viser le milieu. On dit donc 5 kg par trou, ça c'est pour les messieurs, 1 kg par trou pour les dames. Nous on a un tout petit peu moins de jeu. Et donc toi, généralement mon chou, tu peux en fait maigrir. C'est un message, je pense que c'est un message. On va se mettre à genoux, comme ça on va mesurer si la longueur est bonne. On va, on se met à genoux. On va pas le faire là. Oui donc voilà, il faut être porté un tout petit peu plus bas, parce que là on voit qu'il est un petit peu haut. Donc du coup tu vas regarder pour que il effleure le sol, donc on le laisse un tout petit peu. Super, voilà, il est parfait. Donc donc maintenant qu'on a constaté que j'étais idéalement proportionné, on peut vous dire au revoir. Un étalon, c'est magnifique, c'est grandiose. Et donc à la prochaine fois, vous n'hésitez pas, toujours les barres en dessous, à liker dans ce sens-là, pas dans celui-là, à partager. À taper sur la petite cloche, c'est pour recevoir les notifications quand on publie des nouvelles vidéos. Taper sur la petite cloche. À bientôt. Ou les grosses clés.